What's up tout le monde? J'espère que vous allez bien. Mathieu Bourgoin with the TQ. Bonjour monsieur, j'espère que tu vas bien. Team lovesy Racing avec Eric Guérin. Jonathan Paquet, bonjour. Fabio Fava, bonsoir. Euh, j'espère que vous allez bien. Pour l'instant, je suis encore tout seul. On va voir si mon fidèle compagnon va se joindre à nous tantôt. Euh, il est présentement sur la track. Fait que je vais peut-être avoir une coupe. De petites euh, informations à vous feeder. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Euh, S'il vous plaît, un peu comme euh, à l'habitude, je vous demanderai de partager ça dans les groupes euh, du téléguidé euh, au Québec. Ça me donnerait un petit coup de main euh, à gérer le feed un peu plus facilement. Fait que Francis Desrochers, bonjour. Steve Rich, bonjour. J'espère que tu vas bien. Euh, Steve Séguin, Jean-Michel Sauvé et Monsieur Philippe Bédard sont présents en ce moment. Fait que bonjour un peu tout le monde. Euh, Louis Charles Cadieux qui vient de se joindre à nous. J'ai déjà clenché un café parce que le Canadien joue tantôt. Fait que je vais espérer euh, toffer la game. J'ai aussi euh, joué un peu avec mes paramètres euh, d'image. Fait que je serais curieux d'avoir votre opinion, là, vraiment, pour savoir si l'image est un petit peu euh, différente de d'habitude. Je ne peux pas changer mon, ma, ma face dans le sac à face. J'ai pas pu, j'ai premier. Chose qui arrive, mais euh, c'est ça. Fait qu'on joue un peu avec le setting de caméra, puis on espère pouvoir faire quelque chose de pas pire. Je remercie beaucoup euh, Stéphane Couture pour l'intro. Euh, J'essaie de faire une vidéo avec ça, mais évidemment, j'ai malheureusement passé du temps sur d'autres choses les derniers temps. Euh, puis, euh, zoom out un peu. Je pense pas que je suis capable de. Monsieur David Jean. C'est tout ce que j'ai. Fait que c'est ça. C'est pas une grosse face pour ce soir. Donc euh, donc euh, donc c'est ça merci Francis de partager dans les euh, différents euh, groupes, c'est super apprécié Rick Ditoto WhatsApp qui nous regarde sur YouTube. Monsieur Renard Noir, bonjour, et Laurent Hollon qui fait dire coucou. Hey Steve gagne, c'est rare que tu te couches tard comme ça. Merci d'être là. J'imagine que ça doit être le hockey qui te craint un peu à te coucher un peu plus tard. Fait que c'est ça. Donc euh, rapidement, rapidement, on va faire un peu le tour euh, de euh, un peu de, le tour euh, du dernier week-end. On va parler un petit peu des, des nouvelles qui s'en viennent. En passant, Bigo Racing va recevoir une quantité euh, de pneus. Fait que pour ceux qui étaient stressés un peu à, part, à, part, à cause de tout ça, euh, ils ne devraient pas avoir trop trop de problèmes. Euh, à part ça, à part ça, on a eu notre première pratique de pratique euh, de la saison. Je pense que tout le monde est un petit peu euh, fébrile. Tu sais, comment crap ». Euh, était vraiment fébrile à propos euh, de, de finalement rembarquer sur la traque. Euh, vendredi une couple de, euh, de bénévoles ont aidé euh, Eric à tout installer sur euh, sur la piste euh, puis on on, on on s'est on s'est réveillé avec un layout qui était quand même assez impressionnant euh, difficile mais quand même faisable pour à peu près toutes les, les voitures euh, c'est sûr qu'après ça, il y a un petit peu de caractère qui est arrivé sur la piste, puis ça, on va y revenir. Euh, mais je pense que le layout était quand même assez euh, user-friendly. Euh, puis, c'est une bonne mauvaise chose qu'on n'a pas eu la course J-Concept. Euh, Évidemment, comme ceux qui étaient là, ceux qui ont pas eu la chance de, de, de voir les photos, d'en entendre parler, euh, la piste avait été construite lorsqu'il était très, très sec comme température. Fait que malheureusement, il n'y a pas eu une bonne absorption de l'eau et malheureusement, le pack. Oh mon Dieu, j'ai des gens. Je vais arrêter pour vous amener euh, un invité. Surprise, mais pas surprise. What's up? Allô, la gang? Fait que là, t'es-tu foncé parce que t'es plein d'huile ou parce que t'as pris euh, un petit peu du soleil? <laughs> parce que là, je suis toursté. Je suis oh, vraiment resté. Resté euh, les deux ouais. non, ben Mais euh, non, c'est ça. Euh, oui, on, on travaille. On travaille. Oui, parfait. Ouais. Euh, fait qu'en plus de dire euh, des, euh, des choses insolites avec moi, y t tu quelque chose que tu peux nous montrer où on n'est pas rendu à cette étape-là, malheureusement? Non, on n'est pas rendu là. OK. On n'est pas rendu là, mais. Euh... Euh, bon, je je on va le, y arriver. pas, pas de bonne humeur à la fin de semaine. Fait que euh, c'est sûr que je m'organise pour que ça soit ici à la coche. Parce que c'est ça. J'aime pas tant bon. quand c'est de la merde. Puis là, je te confirme que c'est un peu de la merde. Fait que euh, je m'organise pour que ça soit ici à la coche au moins pour, euh, pour le, le concept. Puis euh, on a fait, on va faire des nouvelles modifications de son produit pour plus que ça. Ça arrive de façon qu'on va le faire, on va le faire. On va, on va changer notre, notre temps, notre temps de, de travail, on le fera pour en même temps. Fait que ça va, ben, euh, je commençais à, à parler pour toi, puis je vais, je, vais, je vais mettre les mots dans ta bouche que je me permets de, de dire. Euh, tu es quelque peu fier d'envie, vie, euh, puis quand tu fais quelque chose, d'habitude, tu le fais pas à moitié. Fait que ouais. malheureusement, il y a eu euh, des choses qu'on n'a pas contrôlées pour euh, la première traque, puis euh, la sécheresse plus le. Euh, plus le fait que tu l'as fait au soleil tapant en fait que la ouais. traque n'a pas bien collé ensemble. Ben, en euh, fait, c'est ça. La vraie, la vraie affaire, c'est que on n'a pas pu rouler nos bosses parce que le rouleau qu qui m'était été prêté d'une gentillesse immense, euh, c'était trop gros. Fait que je pas pu rouler. Tu sais, il ne pas voir de ces bosses. Il y a trop de distance entre les deux rouleaux. Fait que ben mais je me suis reviri de titre et j'avais des téléphones, sauf que tu sais. Euh, Louer un rouleau euh, le matin même, là, euh, je te confirme que des fois ça peut bien aller, puis là tu dis quoi, ben ça n'a pas bien été. Que ça a pris du temps à que j'ai pu en avoir un en location. Et euh, ben, c'est ça. Fait que ça, ça a fait le résultat que ça a fait. fait que que okay, ça a... Autant que le monde rochait un peu avec le fait que la traque était quelque peu abîmée, je pense que dans tout ça, la personne qui était la plus déçue, c'était toi. Oh, on a un petit, <laughs> euh, on a un petit bot. Euh, tu sais, t'es pas du tout fier, je pense pas que tu travailles pendant toute force sur tout ce que tu fais. Ah. vu que je te vois aller un petit peu derrière les scènes, je trouve que tu es un mongol. Euh, <laughs> et tout ça fait que euh, malheureusement, euh, tu n'as pas pu euh, offrir euh, les choses qui sont habituelles au Big O Raceway. Donc, euh, cool. La piste s'est défoncée, c'est devenu un peu un carré de sable avec, euh, avec une coupe de trous. Avec une coupe de trous. Ça fait que ça a fait qu'on s'est ramassé avec la, la traque qu'on a eue. Puis, ouais. euh, malheureusement, on a, on a dû... bouché des trous, mais on n'avait pas pris le bon matériel non plus. Que tu sais, que les gens ne savaient ouais. pas. Là, ils ont eu plein d'aide, puis c'était là C'est juste que tellement la, la taille qui est restée dans, dans la Chaudière c'est elle qu'on aurait dû prendre. Mais euh, j'ai refait des patchs, puis euh, il y, y a des personnes pour qui j'ai envoyé la, la photo. Puis euh, ils ont vu tout de suite que ça n'avait pas rapport quest ce qu'on qu que, qu qu avait avant. Fait que, anyway. Solo, fait que, je, euh, je vais te laisser y aller. Je vais, je vais traduire un peu pour toi euh, ce que, ce que tu as dit en, en sept mots. Euh, ben merci de venir dire un petit bonjour. Euh, Puis On a vraiment hâte de voir le, le track finale. Je pense qu'on va être capable de faire ça mercredi prochain avec Jason. Euh, ouais, on va être capable. Que... Que... Ouais, enfin. C'est sûr qu'il y a 11 l'appui en fin de semaine. Fait que, mais je vais tenter de, 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 de faire ça et de, de trouver un trou je suis là-dessus, je là, n'ai pas le choix. C'est là que ça se passe. Mais voilà. Jour et nuit, on tient le je je, je sais que la décision de dimanche n'a pas été faite l'unanimité, mais il fallait la faire là pour ne pas se faire poigner par la pluie. Ah, mais on ah, en parlera. Je m'en occupe ah, de aussi. ça. Je suis là pour, euh, ouais. je suis là pour euh, ouais. expliquer la patente. Fait ah, que, ben, euh, hey, merci euh, d'être venu faire ton, euh, ton petit tour. Merci on s'en donne bien une bonne. Yes, bon. Fait que, comme euh, j'allais dire euh, un petit peu, euh, malheureusement, euh, la traque a pas pu tenir euh, comme comme prévu. Puis ça a donné le, le, le résultat euh, que, que, que ça a donné. Il euh, y a quand même beaucoup de gens dans les commentaires là, qui étaient présents euh, ce week-end. Euh, les trous et la poussière sur la track, ce n'est pas du tout habitude de, euh, de Eric. Donc malheureusement, il a fallu. Euh, il a fallu Prendre les, les, les grands moyens pour euh, refaire euh, une bonne majorité des, euh, des sections. Euh, pour ceux qui veulent savoir un peu comment ça a fonctionné, le samedi soir, on a fermé la traque un peu plus de bonne heure. Puis euh, grâce à plusieurs, plusieurs bénévoles, euh, Jonathan qui est tout le temps fidèle au poste, euh, Tim Lap sa femme, Blonde, Aurélie. Oups, je ne sais pas si je me suis mis le pied dans la bouche, mais Aurélie. Euh, et leur, euh, leurs enfants, là, ils ont travaillé ensemble, puis euh, ils ont fait des patchs, euh, un, un peu un mélange là, avec l'huile, de l'eau, euh, la terre. Euh, puis malheureusement, il, il y a un mélange, il y a, il y a un ingrédient qui fait tout coller ça ensemble qui est l'argile dans la glaise. Euh, mais ça, cette portion-là, ce pas rendu à la patch. Fait que tout ce qui a été fait euh, samedi soir, malheureusement, euh, ça a pas... Euh, ça n'a ça pas bien durci pendant la nuit. Puis dimanche matin, on s'est levé à, à quelque chose qui est encore mou. Euh, pour ceux qui étaient là samedi soir à assez tard, Bego était fidèle au poste. Et à 6 heures le matin, il était aussi fidèle au poste avec sa bonbonne de propane, sa torche, puis il essayait de, de, de faire coller ça. Mais malheureusement, euh, malheureusement, c'est quelque chose qui est arrivé. Euh, puis euh, on a dû prendre la décision difficile de dimanche euh, d'annuler la pratique qui était prévue. Euh, je sais que ça a été chiant. Moi-même, euh, j'étais euh, responsable de quelques personnes qui sont descendues de pas à côté euh, pour venir faire euh, du temps sur la traque. Euh, mais ça a été la, la, la meilleure décision possible pour la communauté et la collectivité. Il euh, fallait profiter de la journée de dimanche pour pouvoir défaire euh, les situations problématiques et les euh, laisser. Euh, laisser la pluie frapper la terre euh, qui avait besoin d'être refaite. Donc, lundi, mardi, il y a plu, on avait besoin de cette eau-là pour pouvoir humidifier les, les, les jumps puis les faces qui allaient être refaites. Euh, puis, c'est un peu pour ça qu'on a pris la décision euh, dimanche. Là. Je sais qu'il y a du monde qui voulait rouler quand même, mais on sait que je sais que c'était pas, pas la, la, la chose la plus facile à dire, euh, mais c'était quelque chose qu'on n'avait pas le choix de faire. Donc, je m'excuse aux gens qui se sont déplacés pour rien, mais c'était une décision qu'il fallait prendre. Euh, que je vais juste faire faire vite vite le, le petit tour des commentaires. Je veux aussi, j'ai quelqu'un dans le studio, j'ai un, un, euh, un autre invité qui va venir vous parler d'un projet spécial après. je euh, Juinville qui demande si le layout va changer. Le layout va changer quelque peu. Il euh, y a des jumps qui vont être faits un peu différemment. Il y a des sections qui vont être modifiées aussi. Euh, je peux peut-être dire que le layout va être modifié à environ à 20%. Euh, puis toutes les sections qui étaient comme euh, Kaboul vont être complètement, complètement refaites. Je suis désolé. Euh, David Jean qui dit de faire une tac avec la terre lousse euh, comme dans le temps. Euh, le problème avec ça, c'est que ça s'abîme avec le temps. Souvent, ça vient par coûter plus cher de terre parce qu'on a besoin de rouler des terres très moues qui s'usent rapidement. Puis l'autre chose aussi, c'est notre fameux climat qui est problématique. L'avantage de la surface chez Bego, c'est s'il pleut, elle se fait souffler, elle se fait chauffer, puis deux minutes, vingt minutes plus tard, on peut rembarquer sur la traque. Fait que c'est ça qui était plus difficile avec une terre sans traitement. Fait que c'est un peu pour ça. Puis pour prévenir qu'elle s'abîme plus, puis qu'on... Qu qu'on ait besoin de travailler encore plus fort. C'est un peu pour ça que la décision a été prise. Dave Bailey, bonjour. Steve Seguin qui dit Bego toujours sur la coche. Moi qui baille encore, Tabarouette, excusez. Euh, Francis Moran qui voulait savoir euh, Bego, fais pas ton agace. L'affaire, c'est qu'il y a probablement encore euh, des pelles, euh, un rouleau, puis qu'il n'y a plus de pipe sur. Euh, euh, juste. Euh, il, y a, il y a plein de, de, de pipes ça que Malheureusement, c'est pour ça que. On n'a pas grand-chose à montrer probablement. Alexandre Desmarais qui dit euh, il y a un rouleau sur un Bobcat. Est-ce que ça ferait la job? On a déjà l'équipement en ce moment fait que c'est vraiment apprécié. Là. Ça prend un petit un petit rouleau de, de paysagement euh, avec des mesures quand même assez précises puis euh, celui qu'on s'était fait prêter il n'y a pas euh, fait malheureusement. Euh, Massimo Roucolo qui est là. What's up, Massimo, euh, Mario Girard qui dit euh, bonne nouvelle pour les deux. Hein? Évidemment, il y a beaucoup de monde qui était euh, stressé un peu, euh, je pense. Philippe Merino et Kevin Charbonneau, euh, excuse-moi, je te vois tout le temps ton nom, hein? euh, Kevin euh, de KCRC qui est là. Euh, première expérience qui est venue avec euh, des teams coralliers, un peu plus euh, des véhicules de bashing. Euh, avec des véhicules euh, qui ont fait des pièces custom et tout. c'est vraiment cool de voir un, un autre nouveau visage. Là. Fait que J'espère que tu as passé euh, du bon temps. Je pense que tu as ranché un petit peu, mais j'espère que ça a bien été. Je suis vraiment désolé. Puis après ça, il faut que j'essaie de toffer la game à soir. Ça va être euh, un beau. Euh, un beau désastre. René Leblanc, bonjour. Je sais pas si tu dis allô. Fait que oui, tu peux dézoomer ton écran, euh, David. Je sais pas pourquoi, là, mais c'est ça mon setup pour ce soir. Dave Amelin, bonjour. Euh, je n'ai pas baissé mon éclairage, euh, Francis. J'ai essayé de jouer un petit peu sur euh, mes paramètres pour avoir une image qui est un petit peu moins graineuse. Mais moi aussi, je trouve que je suis pas super. Euh, Parle, il va falloir que je joue là-dessus. Euh, ça, c'est ça. ça. Euh, Steve Seguin qui a dit qu'il a quand même passé deux belles journées de pratique. Fait que oui, ça a quand même été assez agréable. Euh, pour ma part, euh, ça n'a pas été très, très facile. Euh, je suis arrivé vendredi, fin de journée avec, euh, avec ma femme. Euh, bonjour, Monsieur Marc-André Lemieux. Euh, fait que moi, je suis arrivé vendredi, fin de journée. Euh, le but, c'était vraiment de, de setuper, souper à trac, dire bonjour au chumé, prendre un ou deux breuvages pour adultes, puis euh, commencer le tout. Euh, Vendredi, euh, samedi, excusez. Fait que euh, quand j'ai vu le layout, euh, j'avais vraiment hâte de sortir mon 4 mon roues, euh, mon B74.1. Euh, je l'ai mis directement sur la track. Euh, elle était très abrasive. Il, il manquait un peu d'huile de, de, dessus. Puis la, la, la traque a été euh, arrosée euh, entre euh, vendredi et samedi. Donc, euh, euh, excusez-moi, samedi et dimanche. Mais... Euh, Je suis vraiment désolé. C'est ce genre de soirée-là, ça a de l'air. Euh, fait que c'est ça, j'ai mis mon 4-pattes, un 10 à la track pour vrai. C'est pas très, très difficile. C'est juste une question de me timer avec les sauts pour ceux qui commencent ou qui avaient peur qu'une track comme ça allait détruire votre un 10. C'est quand même un avantage, C'est que le un 10, le power, il se fait rapidement. Fait que clairer les jumps était pas trop, trop difficile. Euh, même j'en ai overshooté quand même plusieurs. Fait que je pense qu'il y a moyen de faire des très belles courses. Euh, avec nos indices. Ça peut être euh, définitivement là, quelque chose d'intéressant. Euh fait que, fait que c'est ça. Euh, samedi, je me suis levé, j'ai parti mon nitro. Euh, je voulais replacer mon moteur Ultimate. Euh, après une temps je l'ai rentré, je voulais m'assurer que tout fonctionnait bien. J'ai eu un petit problème de cerveau. Euh, j'ai pris le temps de changer mon cerveau ramène ça sur euh, la traque, puis là le moteur ne voulait plus euh, fonctionner. Euh, J'avais un petit problème avec la carburateur, je crois. Puis mon Idle il voulait pas tenir. Fait que, euh, après plusieurs essais infructueux, euh, rendu à 1h30, je devais euh, retourner à la maison pour aller porter ma femme. Fait que ça a été une journée d'essai pas super fructueux. Euh, je suis pas tant déçu de... J'aurais vraiment aimé ça pouvoir euh, repartir le véhicule, puis euh, m'assurer que tout fonctionnait bien dimanche. Mais on va faire ça à vendredi. Sylvain, je t'en reviens sous peu. Euh, fait qu'on va faire ça vendredi. Fait que ça a été un peu mon, mon week-end, puis moi... Euh... Moi... Euh... Dimanche matin, dans se levant, quand on a, on a, on a débattu euh, longtemps avec euh, plusieurs gens qui étaient donner nous donner leurs opinions, entre 7 et, entre 7 et 8 heures euh, dimanche matin, euh, c'est là qu'on a pris la décision qu'il fallait refaire euh, certaines portions de la traque puis qu'il fallait profiter de la journée de dimanche. Fait que, euh, notre, mon dimanche euh, était mon Mirabel, allait aller porter euh, Danny Raposo qui fournissait toute la, marchand, la, la machinerie euh, gratuitement. Euh, puis ensuite, ça fallait revenir, puis euh, les, les, les jumps et les phases de jump ont été défaites. Fait que, ça, a été, ça a été pas mal ça mon dimanche. J'ai hâte de commencer dans une semaine et demie pour euh, un peu réessayer mes véhicules, m'assurer que tout fonctionne bien, j'ai hâte de, de pousser un peu la machine. Euh, fait que c'est ça euh, Salutations à M. Marc-André Lemieux Et Jean-François Séguin Kevin Carbonneau Je vais arrêter de scraper ton nom euh, Trouve vraiment qu'il y a eu la, la piqueur Puis il pense qu'on va le revoir assez souvent Fait que je suis très content d'entendre ça euh, Francis en parlant de sa famille euh, Sa famille était très contente D'un peu, euh, peu revoir tout le monde Évidemment sa petite fille n'était pas super euh, super patiente, fait qu'après une demi-heure, elle avait un petit peu son euh, son, son troc. Euh, puis Francis Desrochers qui était vraiment surpris de voir aussi plusieurs nouveaux visages. Fait que ça aussi c'est le fun. Je pense que ça montre que notre AB est quand même relativement en santé, euh, puis qu'on a des, des belles choses qui s'en viennent. Fait qu On va avoir des, des belles batailles là en ce moment pour la course J Concept en hydroboguet régulier. J'ai vu 76. 73, excusez, inscriptions, puis 80 inscriptions en e-buggy, ça va faire des très grosses vagues, je pense que les, les batailles vont être assez serrées, donc ça va être génial. Euh, je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, mais c'était dans mes notes à dire, là, un grand merci à tous les bénévoles qui ont travaillé sur la track euh, samedi soir, euh, c'est sûr que je vais oublier des noms, là, mais euh, mention très très spéciale à Tim Lap et sa femme blonde, Aurélie, ah oh, oui, je l'ai dit tantôt, euh, qui, ont, qui ont donné beaucoup, beaucoup de temps, puis Jonathan, qui encore une fois était là comme un Soldat. Euh, ça, 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 Jean-François Séguin qui veut savoir si j'avais changé mes yeux à diff. Non. Euh, moi, j'ai été chercher un setup de Master of Dirt de Brent Telkey euh, pour le B-74.1. C'est 15 000 en avant, 15 000 en arrière, 500 000 au milieu. Puis le setup était incroyable. Fait que ça allait super. Euh, fait que ça allait super bien. Puis euh, j'ai été très, très, très heureux euh, du setup. Euh, J'étais sur des sprinters bleus quand la track était abrasive. Euh, fait que ça, c'était un peu plus rough, mais là, la track va être bien huilée. Fait que euh, je suis pas mal convaincu des sprinters bleus comme euh, type de pneu. Genre un sprinter R2 au cas où ça devient un peu, plus, euh, un peu plus chaud. Je comprends pas trop ce que tu dis, euh, euh, Norm. Euh, je vais revenir aux au commentaires à Sylvain. Excuse-moi, Sylvain. Euh, pour mon horaire de voyagement, est-ce que les pratiques vont juste commencer le vendredi Oui, on a, à ce que je sache, à moins que ça change, puis je suis pas mal sûr que ça changera pas. L'événement ne peut commencer avant vendredi. Donc, euh, je pense que jeudi, c'est vraiment juste une journée de setup. Je pense qu'il y a du monde qui veut être là le mercredi parce qu'ils veulent faire du camping ou je sais pas trop quoi. Euh, je pense qu'il y a du monde qui veulent se mettre en avant déjà là, mais euh, on, je vais juste vous annoncer que le le pit va être un petit peu réaménagé là, il va avoir la roulotte, euh, deux rangées de tentes là qui risquent d'être euh, euh, la famille Raposo avec euh, la tente du Concept. Ensuite, tu sais, il va y avoir une grosse euh, une grosse allée que les voitures puissent circuler comme il faut. Parce que là, il y avait du monde qui était sacré en avant, qui avait un peu fucké le, le, le setup. Donc, on va s'assurer que les, les voitures vont pouvoir circuler et aller porter des, euh, leur stock au puits. Euh, puis ensuite, de tu y sais, voir le hobby shop aussi en avant, de l'autre côté. Donc, ça va être assez facile là, pour tout le monde qui va avoir quelque chose, l'information va être en avant. Euh, et ensuite de tu ça, sais, le monde va pouvoir euh, s'installer comme il faut. J'ai encore un beau petit bot et j'ai quelqu'un qui me mentionne gentiment que j'ai de l'air brûlé. Oups euh, si on veut s'amuser des fois, il faut travailler un peu trop. Fait que c'est ça. Euh, Alright. Fait que je pense qu'on est rendu je pense qu'on est rendu à euh, finalement jaser du gros pétard de la fin de journée. Fait que avant de l'amener dans le studio, je vais faire la job de pelleter de, de, de nuage. Puis je vais vous dire que euh, Jonathan Adon a décidé de donner euh, plusieurs euh, plusieurs euh, minutes et heures euh, de, de son temps pour euh, faire un super gros, excusez, j'ai accroché le... Euh, le micro, euh, pour faire un super gros euh, feu d'artifice. Euh, J'entends donc, c'est un passionné de, 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 de pyrotechnie, puis de, de tout ça. D'ailleurs, il va aller faire son cours euh, d'artificier pour euh, vraiment être à la, à la fin pointe. Euh, il y a aussi euh, une plug dans une compagnie de pyrotechnie, puis il va être capable de nous avoir un rabais, puis de nous avoir un, un achat de groupe pour pouvoir euh, faire, euh, faire ça. Fait que le plan est un petit peu détaillé, là. je pense qu'on va pouvoir en parler avec Joe. Euh, mais il est déjà rendu à 1200 si je ne me trompe pas de ramasser. Euh, donc c'est vraiment intéressant. Il reste encore deux jours pour pouvoir l'encourager. Euh, un petit transfert là, si vous voulez aider Joe. Là, on est 38 personnes en ce moment. Je ne sais pas il y a combien de personnes qui ont fait des donations, mais je ne pense pas que 38 ont déjà fait des donations à, à Joe. Là. Fait que si vous avez un 5, 10, 15 ou 20$, tu sais. Ça va vite la là, gang. Là. Fait que si vous êtes capable de transférer un petit montant d'argent à Jonathan Nadon, on va être capable vraiment d'avoir un super beau euh, feu d'artifice pour euh, la soirée. Fait qu'il va nous expliquer un peu comment ça va marcher. Puis euh, j'ai hâte de vous montrer ça. Fait que Joe Nadeau, bonsoir. Salut gang! Ça va bien? Yes, toi! Ben oui! Ouais. Hey, je ne sais pas si vous m'entendez comme du monde. Euh, j'ai dû enlever mes écouteurs parce que mon cellulaire... Euh... Il est mort. OK, Mais moi je t'entends que... bien. Fait que t'es sur ton iPad là? Non, mon seul. C'était comme pas prévu à faire. C'est pas grave, on s'en est parlé un petit peu. Euh, mais anyways, tout, euh, tout a de l'air d'être beau, on peut juste pas changer ta face comme la mienne, on n'a pas pu premier, puis c'est des choses qui arrivent. Euh, hey Steve Seguin t'a dit euh, salut mon Joe. Yes, euh, puis euh, on a aussi Eric <laughs> Guérin qui dit beau à Yeah. <laughs> bon, parle-nous un peu de ton projet. parle-nous de, ça fait, Je sais que ça fait un bout que tu fais ça, je pense. Euh, parle-nous un peu de comment ça va fonctionner, puis j'ai hâte de t'entendre parler là-dessus. Bien, moi, là, dû à la COVID, ça fait deux ans que j'en fais plus. Euh, mais à toutes les Saint-Jean, euh, ça fait environ... Euh, ça fait 15 ans que je connais mon chum, puis ça fait 15 ans qu'on fête des Saint-Jean ensemble, puis qu'on fait des gros parties. Puis, euh, il y a une année, on s'est dit, bien, si tout le monde donne une cotisation pour faire des feux d'artifice, on pourrait avoir de quoi de gros. Puis, euh, il, y a, il y a deux ans, la dernière Saint-Jean, dans le fond, on a fêté, on a ramassé pour 600 dollars de feux d'artifice. Puis, euh, j'avais entendu parler d'une compagnie qui vendait à hauts mais qui vendait aussi aux particuliers. Fait que euh, j'ai appelé, j'ai approché. La compagnie s'appelle Royal Pyrotechnie à Saint-Py. Juste euh, dans le village, dans le fond. Euh. Puis euh, c'est ça. Fait que là, j'ai été là-bas, euh, j'ai commandé, j'ai passé ma commande. Euh, j'ai 20% de rabais sur tout ce que je commande là-bas. Euh, ce qu'on va avoir, c'est des feux d'artifice amateurs. Euh, ce qui est vendu en dépanneur. Mais... La différence entre le dépanneur et Royal Pyrotechnique, c'est que les feux d'artifice sont tenus dans un entrepôt où ce que la température est sec, c'est la peau de canon, il faut que ça soit très, très, très sec pour pas que ça explose dans le fond. Puis, euh, quand c'est transféré dans un dépanneur, l'humidité du dépanneur, la porte à l'ouvre, euh, tous les feux d'artifice goguent l'humidité. C'est pour ça que quand vous achetez des feux d'artifice de dépanneur, ben, ça pète pas comme le Benson et Aegis à Ronde. Fait que c'est ça. Fait que je vous promets que. Non, ça fait comme 30 ans que ça s'appelle plus ça, puis que c'est le ben, mondial SAQ, mais c'est pas grave. Non, mais moi, j'ai toujours préféré Benson et Aegis. <laughs> <laughs> fait que c'est ça. Fait... fait que dans le fond, ce que je vous promets, c'est que les feux d'artifice vont être premièrement secs, puis ça va péter en masse. Ça, c'est ce que je vous promets. Oui. Toutes les feux d'artifice que je vais avoir, c'est des feux d'artifice de dépanneur, mais de la compagnie directe qui fournit le Québec en entier. Si vous voulez, vous pouvez y aller voir, là, Royal Pyrotechnie. Moi, j'ai un rabais. Vous aussi, vous pouvez l'avoir si vous commandez vos, euh, vos feux d'artifice là. Fait que si vous faites des parties, vous commandez vos feux d'artifice là, vous allez chercher votre boîte à l'entrée. Ils ne vous font pas rentrer sur le site parce que c'est un site, euh, ça prend ta carte pour te promener sur le site, mais tu peux y aller chercher la boîte que tu as. Là, présentement, on est rendu à 1265 je pense. Là. Félicitations, tu as vraiment fait. C'est le fun de ce que tu as fait. C'est un beau projet de un puis de deux. C'est vraiment le fun de voir que, que tu t'impliques comme ça. Là. Fait que félicitations. Puis merci de faire ça pour nous autres. Bien, regarde, je remercie tout le monde qui a donné pour vrai. Là. À 1000 piastres en 48 heures, ça s'est fait de même. Je n'en revenais pas. Là, tout le monde, tout le monde. Ça, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Fait que je comprends Bego maintenant. <laughs> ça. Fait que, samedi, samedi soir, euh, après les dragues, on va faire ça euh, quand le, la piste de drague va être fermée. Euh, D'après moi, je devrais faire ça sur la piste à Bego. Ouais, si on en avait parlé, là, ça prend un périmètre de sécurité. Donc, euh, les gens vont falloir qu'ils soient à l'extérieur de la piste. Ouais. Euh, toi et, euh, et euh, quelques personnes qui vont être absolument sobres ouais. euh, vont euh, t'aider vont dans le, le processus. Euh, on a déjà prévu d'avoir quelques angles de vue. Moi, puis Joe, ça fait. Moi, quand il me. Donner ce projet-là, on a déjà commencé à se craquer là. Euh, <laughs> donc, euh, Jonathan Adon avec euh... le 2 secondes. Bon, je l'avais le 2 secondes dans ma face, mais je ne le vois plus. Donc, il va avoir une GoPro au visage. Euh, je vais avoir euh, ma caméra sur laquelle vous me voyez. Qui va être sur un trépied qui va filmer le, euh, le, 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 le feu d'artifice. Et en plus. Euh, je vais avoir, on va avoir un drone dans les airs qui va pouvoir voir ça d'un autre angle donc euh, probablement que ça va faire euh, des beaux petits vidéos euh, qu'on va tout euh, vous montrer ça plus tard, on a aussi le plan d'avoir de la musique euh, on va avoir de la musique aussi qui va être timée avec tout ça, là. ça va pas ouais. être comme le mais pas timée, excusez oh, oh, on, va avoir de la, on va avoir de la musique qui va jouer aussi en même temps euh, puis ça va être, ça devrait être assez plaisant. Euh, Steve, vois... Seguin, Steve Seguin qui dit, euh, faut faire attention au chapiteau avec les feux d'artifice. Effectivement, c'est pour ça qu'il va y avoir un périmètre de sécurité. Les feux vont partir du, euh, du, centre. du centre de la piste, puis il va y avoir un périmètre qui va être euh, érigé là, pour être sûr que rien ne il n'y a rien qui va revoler sur les gens, mais il n'y a rien qui va revoler aussi sur euh, les, euh, les tentes. Ça va aller, comment je peux te dire ça? Ça va aller aussi avec la température. Si je juge qu'il y a un trop gros vent, puis que ça pousse vers, mettons, euh, où ce qui était la, la tente de, de la nation, je vais venir me coller un peu plus vers le, le Winnebago à Dani. que je vais m'arranger pour que, tu sais, euh, oui, le vent va faire en compte que ça va pousser, mais qu'elle est retombée au moins. Euh, tu tombes pas sur les tentes aussi. Puis ah, si on est mal pris, il n'y a rien qui t'empêche de te mettre dans le gazon de l'autre côté. Il ouais, y a toujours ça. plusieurs euh, solutions. C'est ça, c'est ça. Regarde, on, peut, on peut toujours aller, même euh, que la traque de drague soit fermée, on peut toujours aller sur la traque. C'est juste qu'il faut que ça soit bien planté dans la terre. Puis en tout cas, je pas ça soit sécuritaire. Je ne c'est un dessin. Donc, pas sans dessin là, ça fait. Ça fait 7-8 ans que je fais peut des feux là. Puis je veux vraiment aller suivre mon cours. C'est juste que, dû à la COVID, bien, ça fait deux ans que j'ai pas pu passer mon, mon examen d'artificier. Exact. Euh, fait qu'il y a quand même une couple de, de beaux, petits, euh, beaux petits commentaires, là. Euh, Philippe Bédard dit qu'on a que on a pris une solide décision. En effet, le but, c'est d'être euh, sécuritaire, là. Puis euh, ça va être... Euh, deux, trois personnes qui vont être autorisées à embarquer sur la traque, tout le reste du monde va falloir qu'ils soient à une distance euh, prédéterminée oui. et il y a absolument personne en boisson ou autre qui va être permis euh, à proximité. Puis ça, ça va être euh, enforcé de manière assez efficace. Ouais, euh... non mais tu sais s'il vous plaît je demande au monde de respecter c'est une question de sécurité c'est des, des, des fucking pétards là, fait que ça peut faire une, une bonne, euh, une déjà, bonne pour moi ça a déjà viré mal fait, je souhaite que ça ne revienne pas de même mais ça a déjà arrivé que faute euh, le pétard il était posé mais à l'envers ça, ça a ouais. volé euh, dans tous les sens Fait on dit aussi dans les commentaires en autant que tu ne plonges pas comme sur la traque on va être correct euh... Anyways, euh, JC, demande est-ce que les cendres vont rendre la piste glissante? Mais ben justement, tu ne vas pas t'installer sur la piste. Euh, Puis des cendres, ça devrait absolument rien changer. Un peu comme de la petite poussière, le fait qu'on devrait, si, devrait être correct. Si je m'installe, je ne m'installerai pas. Si ça attraque. En plein milieu du away, le marchands. gars il oui. biou, biou, biou. Ah, est comme. c'est ça. <laughs> euh, Francis Morand dit Tu faisais combien ou juste à la base? Comment? Combien tu visais pour ramasser au début? Euh, pour vrai, je visais 500 <laughs> Fait que déjà là, on est, on est chanceux. Puis, à 600, euh, je... à 600 euh, tu vois, j'ai fait un feu d'artifice chez des amis. C'est sûr qu'on prend notre temps pour les allumer. Fait qu'on a un petit moment d'attente. C'est sûr que, tu ce pas les feux d'artifice à ronde. Mais ça peut être quand même à 150 pieds dans les le, le Juste le. À 600$, c'est ça, ça a pris 8 minutes. Ça devrait être le fun. Euh, on a Jonathan Mongeau aussi qui se joint à nous. Bonjour, monsieur Mongeau. Euh, Stéphane Couture qui dit « What's up, guys? Euh, » Norm, qui dit que tu as sûrement plus d'avenir comme artificier que pilote. Euh, peut-être. C'est ça. Fait que, pour vrai, moi, je veux te remercier. C'est un vraiment beau projet. Tu sais, euh, on donne tout. Il y a plusieurs personnes qui donnent de leur temps. Euh, chaque personne a un peu. Euh, tu sais, des fois, va faire des projets ou des, des choses qui vont s'occuper, qui sont un peu plus à l'aise dedans. Euh, toi, j'apprécie énormément que tu t'impliques là-dedans. Je pense que ça va faire un beau souvenir puis une belle euh, soirée pour vraiment rassembler tout ce beau monde-là ensemble. Euh, S'il y a des gens qui ont encore un peu de temps ou ils ont des donations de disponibles, je euh, Jonathan Haddon, On va ramasser ça jusqu'à vendredi euh, 6 h. Jeudi soir. Oui, jeudi soir, vendredi okay. matin. Vendredi matin, je commande. Pour les avoir la semaine prochaine, dans le fond. Parfait. Parce que, que... il place tout ça dans une boîte, là, puis il faut que j'y les ramasser à Saint-Pie. Tu vas ramasser ce quand juste? Euh, si je commande vendredi, il faut que je y avant la Saint-Jean. OK. Fait que dans le fond, le 23. Parfait. Euh, Rémi Colin qui dit Oups, désolé, Joe, je ne pourrais pas t'aider à cause de l'alcool. Fait que là... Tu as, as une priorité, Rémi. Tu brosses ou tu fais péter des pétards? <laughs> euh, fait que là, c'est malheureux que demain, Francis va manquer ça. Euh, on va, je vais probablement avoir des films de ça, fait que je vais peut-être pouvoir te les envoyer par après. Il euh, y a une couple qui ne vont pas être là, là fait que malheureusement, euh, les gens vont être... Euh, sont déçus de ne pas pouvoir être là. Euh, tu peux ramasser les bouteilles... Euh, tu peux ramasser les bouteilles vides à Dave Bailey, puis tu vas en avoir probablement pour 1000 aussi pour l'année prochaine. Fait que pense à ça. Euh, Philippe Bédard qui annonce qu'il y a encore de la place de disponible sur la terrasse du chapiteau de la nation pour le feu. Fait que merci, le message est passé. Euh, Francis Desrochers, je ne vais pas filmer ça en live. Euh, je pense pas qu'il y ait une réception extraordinaire là-bas. Je vais essayer de faire un ou deux lives sur la page de J Concept. Ça, c'est quelque chose qui. Euh, qui est prévu, euh, mais je ne sais pas encore si ça va pouvoir fonctionner. L'Internet là-bas n'est pas euh, extraordinaire. Euh, Steve, Steve Rich qui dit euh, Joe, si tu as besoin d'aide, lui, il ne boit pas, fait il va pouvoir t'aider. Okay. Euh, Steve Rich, okay. euh, tu le nouveau là, qui est venu euh, passer du temps avec nous autres euh, samedi, c'est vraiment cool. Euh, Jean-Michel qui dit qu'il va checker les couleurs pendant que tu. Euh, <laughs> pendant que tu fais péter ça. Hey, euh, être seul pour les faire péter, mais non, mais non, je pense que tu vas ta petite gang, inquiète toi pas. Euh, Mathieu Bourgoin qui veut que je redonne l'horaire de la J Concept, les pratiques caliques finales. Euh, C'est pas encore 100% déterminé, mais les pratiques vont commencer 10h, à 10h euh, vendredi. Euh, ensuite de ça, euh, il va y avoir une ronde de qualif vendredi qui devrait commencer vers 5 ou 6 heures, euh, toujours à déterminer. Ensuite de ça, on va faire deux rondes de qualif le samedi et il va probablement avoir des finales euh, le samedi, euh, les lower main probablement et euh, peut-être quelques euh, finales 35 plus. Mais tout ça reste à confirmer euh, parce qu'on a passé du temps à faire d'autres choses. <laughs> À la place de planifier l'horaire qui a changé encore une fois. Alors, on est à 325 inscriptions en ce moment. Euh, là, avec le, le border, le, la frontière qui est ouverte avec euh, l'Ontario, je pense qu'on va avoir un méchant party. Euh, Marc Saint-Onge qui se joint à la conversation. Bonsoir, monsieur. Stupid Fast Racing participe au Patreon. <laughs> oui, en effet. Euh, fait que, il dit. <laughs> budget illimité pour moi. Non. Euh, bonne fin de soirée. J'ai continué à discuter plus tard. Fait que merci beaucoup, euh, monsieur, euh, monsieur Saint-Ange. Euh, Final double main pour tous les électriques. David Jean, je ne suis pas certain. Euh, pendant ce temps-là, on a encore un autre bot. Euh, non, je ne pense pas que c'est euh, ça qu'on va faire. Tout ça va être à confirmer avec euh, Bigot euh, la semaine prochaine. Euh, Lower Main, euh, c'est un peu condescendant dans Manjumainville, je suis 100% d'accord. Euh, c'est malheureusement le premier mot qui m'est sorti euh, de la bouche. Et c'est aussi euh, le genre de vague que je fais partie. C'est eh, chose qui arrive. Euh, parfait. Fait que le Stéphane Couture qui a besoin de parler à Rémi Collin cette semaine. Euh, je pense que ça commence à faire le tour. Euh, tu avais tu d'autres choses à rajouter euh, là-dessus, mon Joe? Ben non. Non, ben. l'idée. L'idée ouais, au, au départ des feux d'artifice, c'était moi et Bego qui, euh, qui en avait parlé cet hiver, euh, la journée, ben, au printemps, plutôt, la journée qui a décidé de faire la J-concept. a ouais. dit que ça serait cool de faire des feux d'artifice. Euh, Pour un championnat canadien de faire des feux d'artifice de la Saint-Jean, c'est magique. Ben là, là, on tombe la Saint-Jean, c'est annulé. Fait, là, on tombe la Saint-Jean, pas le choix. Il y a des choses sujet, qui arrivent. Le patriote en moins, il faut faire peut-être. <laughs> c'est correct. Euh, je te remercie beaucoup de cette idée-là, c'est le fun. Euh, J'aurais jamais eu le temps et ou les capacités ou les connaissances à faire ça, fait que je te remercie beaucoup. Euh, je n'ai je, je, pas le temps de faire ça, fait que je te remercie énormément. Euh, Stéphane Couture qui dit que les photos s'en viennent, on les sort au fur et à mesure dès qu'il y a du temps. Euh, Rémi Colin qui fait une suggestion, puis là j'espère que Stéphane écoute. Euh, faire un plan du site pour les emplacements des tentes et des pits à la main, basic ou sur l'ordi, juste pour que les gens, les gens soient au courant euh, ou s'installer euh, en arrivant à la G-Concept. C'est un excellent point, Rémi. Euh, je crois que Stéphane Couture était supposé de le faire si, ce sera pas long, non, si c'est qui? Ton, ton son il est pas bon, hein, Kev, là, on t'entend. Comment ça? One, two, one, two? Ça griche à côté. Comme si Allô? Mal... Comme s'il si arrête pas de mal brancher. Ben, c'est toi que j'entends pas bien. Je vais juste attendre que les gens confirment si c'est moi ou si c'est Joe qui fonctionne pas. J'aime ça quand ça arrive, ça. Bon. Euh, c'est qui qui. Ah, c'est juste toi, Joe, qui marche pas. Mais moi aussi, je t'entends pas super bien, Joe. Fait que, au moins, les gens ils disent que mon son il est bon. Fait que c'est peut-être toi le problème. Je pense que tu es en train de geler en ce moment. Bye bye. Bon, ben, bye. Bon, on va juste voir si euh, vous m'entendez encore bien. C'est tout temps drôle quand ça se passe. Euh, Joe, il a l'air d'être planté. Tu m'entends-tu, Joe? fais un thumbs up. Non. OK. Tout bad. Bon, ben. Euh, Je suis content de savoir au moins que mon équipement a fonctionné ce soir. Euh, Puis ma caméra ne ferme plus. <laughs> donc, hey, en passant, ma nouvelle casquette euh, à 2021. Ça. Nice. Euh, fait que rapidement, c'est une bonne idée de faire le plan. Je pense que Stéphane euh, Couture avait été euh, un peu mis. Euh, au courant euh, de ça. Fait que Stéphane, t'es-tu? Non, Joe n'avait pas pris une bière de trop. Euh, le plan des tentes, il va travailler là-dessus ce week-end. Merci beaucoup, euh. Stéphane. On va expliquer un peu ça. Ça va être un peu moins la jungle en arrivant le matin. Euh, je, je vous confirme que ma tente risque d'être en avant avec euh, la commandite et euh, les deux, trois affaires que je fais pour euh, la track. Euh, on va avoir un Bishop poussé qui va être en avant pour aider tout le monde. Euh, ensuite de tu ça, sais, il va avoir. Euh, on essaie de pas se compliquer la vie pour réserver des spots. Il euh, y a une coupe d'affaires qui va être pré-prévue euh, d'avance, puis le reste va pouvoir. Tout le monde va pouvoir s'installer euh, un à un. Le but, c'est vraiment pour ceux qui étaient là ce week-end, c'est de garder les tentes d'un côté, puis garder tout ce qui est roulotte motorisé, trailer euh, de l'autre pour les trailers pour les gens qui pitent dedans euh, il va peut-être avoir un, un, un amendement là on est en train de travailler sur euh, deux trois petites idées puis euh, c'est pas mal ça. Fait que je pense qu'on a fait le tour. Euh un système de réservation en ligne, c'est euh, extrêmement euh, compliqué. Euh, Steph, c'est beau sur papier, mais sur, euh, en pratique, ça, ça plante souvent. Flebédard euh, qui dit que la nation reste à la même place. Oui, je sais, avec votre setup de fou, euh, je pense que c'est la, la meilleure solution pour vous. Euh, je pense que c'est la meilleure manière de, de se placer euh, puis d'être bien positionné. Euh, Bon, ok, tout le monde. Euh, Jonathan accepte que ce soit son cellulaire qui plante. Euh, Laurent Long qui veut un emplacement pour les petits camping cars. Oui, je sais que je sais que tu avais un petit, euh, un petit setup de, de... <laughs> de, 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 de roulettes là, fait c'est vraiment, vraiment le fun. Euh... Si tu peux pas arriver... J'ai un qui dit qu'il peut pas arriver avant fin p.m. Euh, ça veut-tu dire qu'il pourra pas pratiquer? Euh, C'est encore à déterminer à quelle heure qu'on va commencer la première ronde de qualif slash seeding. Euh, est-ce qu'on va commencer les seedings ou est-ce qu'on va commencer les qualifs? Euh, le plan pour être capable de tout clencher en, en un coup, ça va être... Euh, probablement commencer les califs autour de 5 ou 6 heures euh, vu que tu pas le seul qui finit de travailler, on va probablement essayer de pousser le plus tard possible la première ronde de qualifs euh, si on commence à 6, on finira à 10, ce qui est quand même raisonnable peut-être qu'on serait capable de pousser à 6 ou quelque chose comme ça il faut euh, retravailler sur l'horaire euh, après ça, tac, tac, tac euh... David-Jean, je, je comprends ton, ton point. Euh, c'est un peu comme ça que c'est setupé en ce moment. Je pense qu'ils vont faire des double aimings pour euh, l'électrique. Mais il faut encore vérifier un peu euh, comment tout ça se, se, se place. Euh, Mario Girard qui dit, on parle à qui pour céduler un spot de roulotte? Euh, en fait, si tu vas pouvoir placer... Euh, tu étais là, me semble, je pense, samedi. Euh, tu vas pouvoir placer les roulottes un peu comme vous voulez. Il va juste falloir... Euh, tout euh, tout s'installer un à côté de l'autre. On peut faire comme un camping, que ça va être plus simple pour tout le monde. J'ai une belle petite mouche d'en face. Euh... Tac, tac. Grosseur de tente avec les canapés. Euh, Jean-François Champagne, non, si tu veux t'installer dans le fond, il euh, n'y a pas de problème. C'est sûr que c'est idéal d'avoir toutes les puits ensemble. Euh, mais si tu veux t'installer de l'autre côté, il n'y a, a vraiment pas de problème. Tu viens avec ta gang, ta famille, puis tu veux être euh, en dehors du, du bordel, il n'y a, a pas de problème. Fait que je pense qu'on a fait le tour. Euh, David, Jean, on va s'en reparler en privé euh, pour ton point. Je ne suis euh, pas en désaccord. On va voir qu ce qu'on est capable de faire euh, pour euh, aider tout le monde. Euh, puis ensuite de ça, je pense que c'était pas mal tout. Je vous remercie énormément d'avoir été là euh, ce soir. Euh, il y a une couple de petites affaires là, qui s'en viennent. Euh, si vous voulez aller liker, le lien est dans les, la description. Là. Si vous voulez aller liker, puis euh, vous abonner à ma page YouTube. Là, je vais commencer à essayer de, de faire un peu plus de contenu là-dessus. Euh, je vais avoir du contenu qui va sortir en anglais sur YouTube, mais pas sur Facebook. Euh, sur Facebook, c'est pour euh, notre gang, euh, pour pour toujours. Sur YouTube, je vais un petit peu jouer avec euh, l'algorithme de Facebook pour voir, euh, pas de Facebook, mais de de YouTube voir si on est capable de mettre un petit peu plus de yeux euh, anglophones sur euh, sur le, le, le RC au Québec. Donc euh, idéalement, là, si on est capable de, de, de donner un peu plus de visibilité, que ce soit à, au championnat canadien à trois rivières, que ce soit euh, aux courses au CTSR, aux courses de Big o Racing, ou juste la communauté du Québec qui voyage un peu, c'est la traque du Saguenay elle va être Foutument impressionnante. Fait que si on est capable de, 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 de mettre un petit peu plus de yeux sur ce genre de, de, de place-là, euh, ça pourrait être intéressant. Fait que euh, je suis très fier et très content de, de faire euh, du contenu en français. C'est, Je pense c'est très important pour notre communauté, euh, pour notre gang. C'est un peu pour ça que les lives sont tout le temps là. Euh, des fois, j'ai beaucoup de contenu, des fois, j'ai un peu moins de contenu. Euh, mais le but. C'est euh, essayer de juste grossir notre communauté. Fait que si en faisant une coupe de vidéos sur euh, YouTube en anglais, on est capable de grossir un peu le channel puis d'essayer de, 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 de mettre plus de face sur qu ce qui se passe au, au RC euh, au Québec, ça pourrait être intéressant. Fait que euh, c'est ça que si, si jamais vous voyez une coupe de vidéos en anglais, ne pensez pas que je renie mes mes, euh, mes origines euh, fait que c'est ça il y a du monde qui va arriver de bonheur à Tabarouette Phil Billard qui arrive le mercredi euh, pour, avec son setup euh, il y a du monde qui va arriver peut-être vendredi là, fait que ça aussi ça va être à, à voir là, comment on est capable de s'arranger pour euh, tout le monde fait que c'est pas mal ça je vous remercie encore une fois d'avoir été là euh, je remercie euh, tout le monde aussi euh, qui me supportent avec le Patreon, fait que ce soit Fred, Marc, Normand, Eric, Marc-André, Marc-André, euh, Steve, euh, Keenan, c'est sûr que j'oublie quelqu'un. Euh, je vous remercie énormément du support additionnel. Euh, il y a une coupe de, de belles affaires qui s'en viennent, là, puis je vais pouvoir faire un peu plus de vidéos grâce à vous. Euh, Jonathan, c'est euh, ça que j'avais oublié. Ça pourrait être intéressant. Euh, René levent est-ce que tu peux pratiquer le mercredi? Non, la traque est supposée d'ouvrir seulement le vendredi euh, parce que l'événement commence le vendredi euh, avec la nouvelle loi, euh, puis les nouvelles réglementations. On peut faire un événement de 2500 personnes, mais seulement euh, à partir de vendredi. Fait que ça, ça va être quand même assez, euh, assez, euh, assez précis. C'est ça, on va revenir avec l'horaire la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va essayer de faire le track reveal. Avec Jason Rona de Jconcept, quelque chose qu'on était supposé faire la semaine passée, mais oups. Euh, avec Eric et aussi on va euh, donner tout l'horaire euh, de, la, de la course. Euh, Kevin, je crois que la gate ferme à 10h jeudi, mais je ne suis pas certain. C'est toutes les informations qu'on va essayer de vous confirmer euh, la semaine prochaine. Fait que j'espère qu'on a Presque fait le tour des, euh, des questions pour tout le monde. Euh, je vous remercie encore énormément. Puis je pense qu'on se revoit bientôt. Ah, il va peut-être une petite vidéo sur YouTube en français cette semaine aussi. Merci. Ciao.